Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Noé, je vais vous expliquer comment vous insérer sur une voie rapide. Bien, lorsque l'on va faire cette insertion sur voie rapide, il va bien falloir tenir compte des véhicules circulant sur la voie rapide et trouver l'intervalle entre quel véhicule et quel véhicule je veux m'insérer. Par contre, les véhicules circulant sur l'autoroute peuvent, s'il est possible, se décaler sur la voie de gauche afin de favoriser le passage du véhicule venant de leur droite. Si jamais il nous arrivait de ne pas pouvoir s'insérer parce que le flot est trop important, on peut continuer sur la bande d'arrêt d'urgence et servir de la bande d'arrêt d'urgence comme voie d'insertion pour trouver le moment opportun pour entrer sur l'autoroute. Voilà, donc là maintenant nous allons aborder la voie d'insertion qui va me permettre de rentrer rapidement sur l'autoroute. Je vais dès que possible contrôler sur ma gauche pour voir où se trouvent les véhicules. J'accélère, je vois qu'aucun véhicule se présente, donc j'accélère franchement. Je contrôle dans mon rétroviseur intérieur-extérieur, je tourne la tête et je rentre sur l'autoroute. Maintenant que vous savez vous insérer sur une voie rapide, retrouvez-moi sur une prochaine vidéo pour savoir comment se déroule l'épreuve pratique du plateau du permis moto.